Salut à tous, c'est Seven, c'est Cabal, et on se retrouve pour l'épisode numéro 8. Voilà. À chaque fois, je loupe mon intro, c'est un truc de dingue. Donc, voici, on se retrouve pour l'épisode 8 de Watch Dogs. Je sais pas pourquoi j'ai dit Assassin's Creed. Ah, toi, tu étais quoi? Hungry, et toi aussi, tu es une... Du coup, on va aller faire la mission. Merci pour l'info. On y va, go. Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord, je vais jouer le jeu. On monte, monte, monte. Il doit y avoir deux terminaux CityOS. Caméra ici. C'est pas ça. Que j'aille dans la rue, je vais aller dans la rue, Non, c'est pas ça, y'a personne. Voilà, je vais essayer d'accéder au réseau, et je vais essayer d'y accéder à partir d'un endroit. Sécurisé, si vous voyez ce que je fais dire. Comme je sais qu'après. J'espère. Merde. C'est ça. Attends, regarde, je l'ai fait exprès. Oui, en fait, je pense que c'est fait exprès qu'on puisse pas. Qu'on soit obligé de monter et d'être dans la merde après. J'aurais pété tous les trucs qui pouvaient me protéger après. Si on va se cacher là, hop. Et on va pirater. Hop, ça fait un. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bellwether. Je savais que tu me trouverais. T'as toujours adoré les mystères. Alors, Eden, comment ça va? Damien Briggs. Mais à quoi il joue? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu devrais te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompu. Alors si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur?
On s'est pas parlé depuis... le Merlot. Je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. Ok. Ça rigole pas. Et bien sûr, je l'ai pété. Quel handicapé. Putain, quel bon coup. J'aimerais bien avoir un autre gun. Si le gun que je voulais... Bête, on va se battre. Putain, quel con. Oh la vache, il fait mal le cochon. Voilà, hop. Ah, je suis désolé, j'aurais aimé faire en phase infiltration. Et déjà à la base c'était pas facile. Déjà à la base, enfin, c'est même pas infiltration là, vu que c'était plus une exfiltration. Et je pense que de toute façon à la base c'est pas possible de le faire en... sans se faire repérer quoi. Parce qu'à la base il s'aboutait, donc voilà, il arrive et puis c'est tout. Mais je m'en suis pas trop mal sorti, j'ai réussi à ne pas mourir. J'ai l'impression que d'être un pro player depuis que je rejoue. Non, ça va, à part une fois je me suis fait choper comme un gros con, enfin deux fois je me suis fait choper comme un gros con. Moi je me suis pas mal dégrigné depuis le début. J'ai l'habitude d'appuyer sur E comme sur Assassin's Creed et voilà, je me bloque contre un mur. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire à la base. Ça alors, comme il est malin. C'est ma tournée. Salut Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Staré d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien? T'es toujours aussi sinistre, Aiden. Putain. Jamais tu te détends, toi, hein? Je veux retrouver mon partenaire. Moi sur l'ordi, et toi, sur le terrain, pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose? Des réponses?
qui nous a attaqués. En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Je t'en fous. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan en or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, toi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. Tu sais si... c'est ça qui nous unit. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment le trouver. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi... j'ai pas besoin de toi. T'en vas pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Lena, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Ok, donc les amis, ben c'est tout, on va se laisser là pour l'épisode numéro 8. Oui, c'est l'épisode numéro 8. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao! Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. Pour la partie de cache-cache, je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on dise.